Salut, on s'appelle Forme, je suis Osman, chanteur, pianiste. Adrien, au synthé et au cœur, et Axel, à la rythmique et au beat. Forme, c'est un peu cette symétrie entre ces deux producteurs que sont Axel et Adrien, et moi qui suis plus un chanteur, compositeur, qualifie ça de pop électronique. Des grosses influences communes, je pense que je vais commencer par dire Radiohead. Je veux dire Think, tu veux dire James Blake, tu veux dire James Blake. Ou un petit jungle aussi. Hein, un petit jungle. On a la chance d'avoir un lieu à Argenteuil qui s'appelle le Musée Sauvage, dans lequel on a installé notre studio. C'est un lieu qui a une vocation culturelle et sociale, c'est un mix des deux. On va faire pas mal d'ateliers, de théâtre, il y a de tout. On a un petit bar, on fait des résidences d'artistes. Ça sonnait forcément très juste pour nous de faire vivre la banlieue, parce que nous, c'est grâce à des endroits comme les salles de concert, le MB, etc., du 95, qui nous ont vraiment, au final, mis un pied vraiment dans la culture, quoi, en fait. On a toute une petite famille d'artistes maintenant autour de nous qui nous inspire aussi au quotidien. Tu vois, on est très souvent avec Elvi, que vous connaissez très bien, Offert, il y a Chica, il y a Fakir, Nowadays, avec Lune, avec Finekid. On s'aide beaucoup, on s'entraide beaucoup, on s'inspire beaucoup, on fait beaucoup de collabs. Quand on compose pour nous, c'est vrai qu'il y a un peu deux manières de faire. Donc ça peut ou partir d'un gros beat d'Axel à qui va nous inspirer, moi à mettre des voix, Adrien à mettre des arrangements, ou à créer des grilles, etc. Ou alors l'opposé un peu total, où moi je vais arriver voir les gars en disant j'ai écrit ça au piano, et puis on va partir de ça, quoi. Là, on a décidé de se recentrer un petit peu plus sur notre musique, parce que c'est vrai qu'on a produit pour beaucoup de personnes. On s'est dit qu'il était temps de se recentrer un petit peu sur nous. Et de se remettre à composer vraiment pour forme. On bosse à fond, hâte de reprendre le live et hâte que vous entendiez tout ça.